de se régénérer mentalement, physiquement. Je pense que les joueurs en ont profité puisqu'ils sont revenus mercredi dernier pleins de gaz, j'ai envie de te dire, et pleins d'enthousiasme et pleins d'envie. Donc voilà, une coupure plutôt bénéfique pour les têtes et les jambes. Donc ça s'est encore vu à l'entraînement cette semaine, lundi, mardi, c'était appliqué avec énormément d'enthousiasme. Montpellier, c'est l'équipe en forme, hein. C'est l'équipe en forme du moment. Ben, on le sait, c'est un très très gros effectif, de très gros moyens qui vise vraiment le titre maintenant chaque année. Bon, il y a eu des ratés les saisons précédentes, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils arrivent à être performants tous les week-ends. On l'a vu à l'extérieur. Bon, quelques petites scories à domicile, notamment dans les dernières minutes, où ça ne leur permet pas d'enclencher les matchs. Mais après, on voit qu'ils ont voilà, énormément de très très bons joueurs sur le terrain, beaucoup d'internationaux, la charnière sud-africaine. Voilà. C'est vraiment un très très gros morceau. Hein. Ouais, ben, je suis content. Après, voilà, il y avait un bloc de 10 matchs. Il fallait aussi que tout l'effectif soit dans la rotation. Donc, ça fait plaisir d'avoir du temps de jeu. Et ouais, c'est déjà plus que le début de saison l'année dernière. Donc, ça fait plaisir que je joue, quoi. Donc, ça va être un vrai duel et un vrai combat chez eux. Mais on est prêt à le relever. On va tout donner. On va essayer d'être dans la lignée de cette seconde mi-temps à Lyon, je pense. Et voilà, on va essayer de tout donner samedi à Montpellier.